parlait de la séparation, de l'arrachement ou du cordon ombilical, je ne sais pas. Mais chacun va trouver sa part dedans. Et chacun donnera selon la perception que le Seigneur lui permettra d'avoir un titre, une entête par rapport à ce que le Seigneur veut nous enseigner ce matin. Ouvrez gardement les oreilles, pas les oreilles physiques. Paul pouvait dire dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, ou chapitre 1, il dit que le Seigneur illumine les yeux de votre quoi? De votre cœur. Voilà. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse. On va lire deux derniers du chapitre 11 et on va enchaîner avec le chapitre 12. Mon frère Armand, est-ce que tu peux enregistrer ces articles? Fais un enregistre. Merci Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour, ta parole. La révélation de ta parole est claire, Seigneur, et donne l'intelligence au Seigneur. Viens nous éclairer, guide-nous, qui mieux que toi peut parler de toi-même. Si c'est de ton esprit. Nous voulons nous soumettre à toi, être suprême, conduire toutes choses au nom de Yeshua. Amen. 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 Genèse chapitre 11, à partir du verset 31, Théra prit Abraham, son fils, Lot, fils d'Aaron, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'où en Kadé pour aller vers la terre de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Caran ou Charan, et il y habitait. Les jours de Théra furent de 205 ans, et il mourut à Charan. Amen. Je voudrais, frère, ce matin, que toi et moi, nous puissions comprendre les étapes de la marche avec le Seigneur et là où il veut nous amener. Il faut savoir que si on prend la généalogie d'Abraham, qu'on appelle Abraham, Théra était son père. Son grand-père était Arpachshad. Arpachshad, son père était Peleg. Et Peleg était descendant de Noé. Noé, fils d'Adam. Voilà à peu près la lignée. Noé, après le déluge, va sortir. Il va se retrouver du côté du bassin plastique quelque part en Turquie. À côté des bordures de la montagne d'Ayara, de la Turquie actuelle. Là, Noé va sortir de l'arche. Et il va continuer à commencer à cultiver le sol. Il va faire ses trois enfants. Donc nous savons quand Japheth. Ses enfants vont donner des enfants. Entre autres, nous les Africains, nous sommes les descendants de Cam. Et les Hébreux sont les descendants des Sem. C'est pourquoi on les appelle le peuple sémite. Alléluia. Après tous ces événements, le Seigneur va susciter le père d'Abraham. Il va sortir du village de son grand-père Arpachshad. Théra était le père d'Abraham. Il va sortir avec son fils et son neveu, qui était l'enfant de son frère, et Sarah, sa belle-fille, femme d'Abraham. Ils vont sortir. Dis à ton voisin, ils vont sortir. Maintenant, on prend l'évangile, la parole du Seigneur, on le ramène à nous. Tu es né à Douala. Ton papa t'a conçu, tu es né à Douala, toi tu veux que ton père et ta mère sont mariés où? À Douala. Ou même, ils sont venus du village. Ils sont arrivés où?
sont arrivés à vous. Écoutez bien, j'ai dit qu'aujourd'hui là, on va tout casser. Si tu ne veux plus me dire bon, c'est ton problème. J'ai dit qu'on va tout casser. Écoutez très bien. Ton père et ta mère se sont mariés à Bouddha. Sauf que le village de ton grand-père, c'est Akan. Maintenant, ton père et ta mère, comme Terah, père d'Abraham, ils vont sortir de Bouddha, ils vont venir où? À Douala. Regarde ton voisin à Douala. Toi-même, tu es où? À Douala. Maintenant, pendant que tu es à Douala, écoute ce que le Seigneur dit à Abraham. Là, nous sommes au chapitre 12. Je veux un frère qui dit à haute intelligence de voix. Haute et intelligible voix. Ou une soeur éloquente. Qui veut le micro? Vous lire. Même les mamans, là, on sait que la génération de nos mamans, plus elles s'amusent. C'était nos grands-mères qui ne disaient pas. Mais les mamans d'aujourd'hui, c'est les mamans YouTube. Maman Google. Android. Même une maman n'arrête pas. Qui veut le micro là pour lui? Genèse chapitre 12, à partir de 9 versets. Il dit la parole de Dieu. Genèse chapitre 12, à partir du premier verset. Or, Yahweh avait dit à Abraham, va pour toi hors de ta terre, de ta patrie, et de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies. Amen. Amen. C'est-à-dire que toi et moi, nous sommes Abraham. Dis à ton frère, nous sommes Abraham. C'est la parole. Toi et moi, nos parents nous ont accouchés où? À Douala. Nous sommes à Douala. N'est-ce pas? Pékin 14, n'est-ce pas? Pékin 14 ici. Station quoi? Comment on appelle la station? C'est la ville. Donc c'est l'adresse exacte. Et voilà comment le Seigneur te dit. Qui aime Jésus? Donc il est bien aimé. Mais il y a Jésus-Christ, mais après qui va être intéressant. Donc c'est Jésus. Comment tout ça aime Jésus? Il te dit donc, laisse ton père et ta mère, suis-moi. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Suivre Jésus, suivre Yeshua, en quittant qui? Là où ça va se saluer. On va sauter. Il y a ton voisin, on va sauter. Un grand saut. La manière que tu ne sais pas là où tu vas atterrir. Il dit à Abraham, va-t'en pour toi. Est-ce qu'il a dit à Abraham, rentre en Bouddha où tes parents se sont connus? Pourquoi alors on aime toujours aller au village? Première question. Pourquoi? Dites-moi, expliquez-moi, je veux comprendre. Pourquoi vous aimez aller dans votre village? Quelle est la réponse?
Explique-moi, mon frère. Amen. Amen. Moi, je me suis beaucoup posé cette question. Et c'est quelque temps que le Seigneur me faisait comprendre certaines choses. Et je disais, mais pourquoi on peut être chrétien et lorsque quelqu'un meurt, on dit qu'on est chrétien, on dit qu'on va au village enterrer nos corps. Et c'est là où je comprenais donc qu'on est sauvé, mais il y a encore des liens là, des liens coutumiers, ils sont encore là. On a tellement vécu dans on est resté longtemps dans ça. Et tellement qu'on est resté, on n'a plus l'habitude. Et c'est pour cela que je commençais aussi à me dire, mais si je meurs, on n'a pas besoin de me ramener à temps là-bas chez moi, même ici partout, on peut m'enterrer. Donc pour moi un peu c'est ce que j'ai compris par rapport à ça. Je pose encore la question. Oui, donne le micro à notre frère là-bas. Alléluia. Vraiment, ça ne peut même pas s'exprimer. Là où je tombe, amenez-moi au village. C'est déjà comme ça que la bête, ma personnalité. Alléluia. Il y a beaucoup de mains. Hein. Je vous dis qu'aujourd'hui, là, chacun va prendre sa part. Attends, mon frère, ça vient. Je dis que ce matin dans la douche, le Seigneur m'a dit, voilà. Vas-y Junior, parle. Amen. Je pense qu'on va au village parce que on veut rentrer aux sources. Quelle source? Bon, d'habitude, je veux dire ceci, nous les Africains, on va au village parce qu'on se dit que c'est là où il y a... Je veux dire quoi, la bénédiction ou alors c'est là où on prend le départ de tout. Ça commence à sortir. Continue mon frère. Toi aussi mon frère, parle. Amen. Pour moi le village, ça dépend du contexte. Si c'est par rapport à l'évangile, et la Bible va dire, oh Seigneur, je t'ai sauvé, toi et ta famille. Et le plus souvent, la famille est d'abord au village. Bon, bon, exactement. Ok. On va répondre à chacun. Vas-y mon frère, moi. Quand on part au village, c'est pour retrouver ses racines. Ah. La soupe que l'on gêne. C'est pour ça que généralement nous les Bamélikés. Non, c'est pas une question des Bamélikés. On a un bassin qui est dans nos doigts. Il faut rentrer à ses ressources, ses racines. Amen. Source et. Non, attends, il y a Olivier qui est désiré. Mon frère, garde ta réponse au chaud. C'est parce qu'on n'est pas totalement délivré. On a toujours les liens familiaux qui nous suivent. Si on est totalement libéré, on ne peut plus rentrer. Donc là. Nous sommes fils d'Abraham ou pas? Ce n'est pas le père de la foi. Okay. Arrêtez les portables. Bon, Stéphane, donne le micro. Faut retenir toutes ces réponses-là. Oui, mon frère, vas-y. Amen. Amen. Je crois que si on est resté attaché à nos origines. Si on est resté quoi? Attaché à nos origines. Il a dit quoi? Attaché. Okay. C'est juste parce que nous sommes faits de chair. Et quand Yeshua vient nous circoncis, nous refusons la circoncision. Voilà pourquoi à chaque fois, on va toujours retourner, même dans la pensée, on refuse de changer. On va toujours rester attaché à nos racines. Or, Yeshua lui nous dit qu'on est circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Et nous, en tant qu'être humain, quand nous sommes circoncis, nous rejetons cette circoncision. Voilà pourquoi on est resté attaché au village. Au village. Oui. Parce que le Seigneur va nous faire comprendre que quand on a cru, on est une nouvelle créature. Donc toute chose pour nous devient nouveau, y compris le village. Mais nous refusons d'être séparés du village. Donc voilà pourquoi on est toujours attaché à ce village. Amen. Amen. Prenons le livre de Genèse chapitre 23.
pour créer qu'un frère, parce qu'on a eu, ou un père, parce que maman vient de vivre, il faut l'équilibre. Mon frère Junior, Genèse chapitre 2 fois, à partir du premier verset. Genèse chapitre 23, à partir du premier verset. La vie de Sarah fut de 125 ans. Ce sont là les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Gilead-Abba, qui est Hébron, en terre de Canaan. Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Et Abraham se leva de devant son mort. Et il parla au fils de Heth et en disant, autant pour moi, je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi une propriété sépulcrale parmi vous, afin que j'enterre mon mort en face de moi. Les fils de Heth répondirent à Abraham et lui dirent, mon Seigneur, écoute-nous, tu es un prince d'Élohim parmi nous. Enterre ton mort dans le meilleur de nos sépulcres. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre afin que tu y enterres ton mort. Abraham se leva et se prosterna devant le peuple de la terre, devant les Hétiens. Verset 8. Il parla avec eux et dit, si c'est votre désir que j'enterre mon mort devant moi, écoutez-moi et intercédez en ma faveur auprès d'Éphron, fils de Chocar, afin qu'il me cède sa caverne de Mapéla, qui est l'extrémité de son champ, qu'il me la cède contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de propriété sépulcrale au milieu de vous. Verset 10, Éphron était assis parmi les fils de Heth et Éphron, et le Héthien répondit à Abraham aux oreilles de ses fils, des fils de Heth, devant tous ceux qui entraient par la porte de sa ville, et dit, non, mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ, je te donne aussi la caverne qui s'y trouve, je te la donne aux yeux de tes fils, des fils de mon peuple, enterre ton mort. Verset 12. Abraham se prosterna devant le peuple de la terre. Il parla à Éphron aux oreilles du peuple de la terre en disant, ah, si seulement tu m'écoutais, je donne l'argent au champ, reçois-le de moi et j'y enterrerai mon mort. Verset 14. Et Éphron répondit à Abraham en disant, mon Seigneur, écoute-moi. Une terre de 400 siècles d'argent, siècles d'argent. Qu'est-ce que cela entre moi et toi? Enterre ton mort. Abraham ayant écouté Éphron, et Abraham pesa pour Éphron l'argent dont il avait parlé aux oreilles des fils de Heth. 400 siècles d'argent ayant pour chez les marchands. Le verset 17. Le champ de front et de Mapéla, en face de Mamré, le champ de la caverne qui s'y trouve et tous les arbres qui sont dans le champ et dans toutes ses extrémités alentour. Abraham les acheta sous les yeux des fils d'Éth et tous ceux qui entraient la porte de la ville. Après cela, Abraham enterra Sarah et sa femme dans la caverne du champ de Mapéla, en face de Mamré, qui est Hébron, en terre de Canaan. Le champ et la caverne qui est demeurèrent à Abraham comme propriété sépulcrale acquise à des fils de Heth. Alléluia. Amen. Abraham a acheté le terrain où? À Hébron. Il sortait d'où? Charan, ou dans le pays de la Chaldée.
Et il a enterré sa femme où? Au village? Non, répondez-moi. Est-ce qu'il a enterré sa femme au village? Bon, vous, quand vous prenez les voitures, là, partez dans vos deuils, il y a beaucoup de pour des tenues. Si tu meurs là-bas, tu vas en enfer. Je te le dis ce matin, toi qui aimes accompagner les cercueils, tu meurs là, tu vas où? En enfer. Parce que le Seigneur a dit quoi? Demandez-moi, il a dit quoi? Attends, je n'ai pas bien écouté. Il a dit, il n'est pas convenable qu'un prophète meure en dehors de chez nous. Il n'est pas convenable qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Donc toi qui es là, tu refuses de soutenir tes frères, l'œuvre du Seigneur, parce que tu as la cotisation de dette. Continue à cotiser. Plus tu donnes pour enterrer la mort, plus tes poches sont percées. Plus tu amènes la mort dans ta maison. Le Seigneur a dit, laisse la mort enterrer. Et toi, fais quoi? Suis-moi. Celui que nous proclamons comme étant le Père de notre foi. La Bible dit au chapitre 11, après avoir suivi l'appel, il va rester avec son père, il va rester avec sa mère, il va rester avec ses amis, il va rentrer en Galilée, il va se lever, il va suivre. Toi qui es à Douala, tu as accepté de manger à Douala. Toutes les semaines, tu es au village. Toutes les semaines. Tu rentres même dans les réunions des gens de votre village. Je vais vous choquer avec la parole ce matin. Amen. Amen. Nous sommes de la même famille du soir. Je n'ai même pas les mots pour commencer à décortiquer tout ça. Mais je sais que le Seigneur va m'aider. On va tout casser. Ce matin, on va tout casser. Je sais qu'il y a des personnes même de ma famille qui sont qui vont dire, tu exagères. Mais moi, je m'en fous. Je n'exagère pas. Je dis la parole. Verset biblique à l'appui. Quelle est ta famille? Vous avez plus des affinités avec les gens de votre village qu'avec vos frères avec qui vous allez aller au ciel. Exposer la chose autrement. On va bien comprendre, bien. Si tu dis à la mauvaise foi de ne pas comprendre, là tu vas comprendre. J'ai dit, Yeshua a mangé la sainte cène avec qui? Il a mangé ça avec son père et sa mère? Non. Il a mangé ça avec ses cousins? Non. Il a mangé ça avec qui? Bon, toi, tu es dans le quartier, tu es dans l'association. Dans les gens de votre grand village, tu es dedans. Dans les gens de votre petit village, comme au village de la Conception, tu es dedans. Et dans votre propre famille, avec tes frères, tu es aussi dedans. Si tu meurs là, comment dire que ta mort est venue? Et aussi ici à l'Assemblée, tu es dedans.
pars là-bas, j'ai même mangé les œufs des romans comme à vous m'apporter. Alléluia. J'ai dit, j'ai compris. J'ai mangé les œufs. Mais on va regarder ce pas comme ça. J'ai demandé le piment. Il y a un frère qui a dit, nous sommes attachés. L'autre dit, nous prenons, on va se ressourcer. Il y a un homme dans la parole qui dit qu'il est quoi? La source. Dans le chapitre 1. On va arriver, on n'a même pas encore commencé. C'est vrai que le chauffeur. Quand on ne prend pas l'eau comme ça, mais non, j'en mon frère dit il va se ressourcer. Je vais lui donner le nom d'une source. Parce qu'il y avait le puits de Jacob. Oh, parce que mon père au village, il me dit, viens construire ici, voilà ton terrain. Puis de Jacob. Amen ou pas? Non, parce que moi j'ai des pauvres. Vous les avez. La femme samaritaine a dit. Nos pères ont puisé dans ce puits. Moi aussi. Je viens puiser où? Et il demande à Yeshua, veux-tu dire que tu es plus grand que notre ancêtre Jacob? Donc toi, tu viens avec ton évangile là-haut, ne pas plus au village. Donc tu crois que Jésus est plus fort que Damefou. Donc Damefou qui a fait tout le village ici. Je donne un nom comme ça. Il a fait tout ce village. Donc toi, tu viens quand je te vois là. Donc, regarde. Le frère a dit il va se ressourcer. Jean chapitre 3. Voilà d'où vient le mal du Cameroun où l'évangile ne peut pas prospérer. Parce qu'on est un pied dedans, un pied dehors. On est comme des chauves-souris. On ne sait pas si c'est un oiseau ou c'est. On dit des chauves. Non, on ne comprend pas. On ne sait pas là où tu es. On n'arrive pas. Quand il faut marcher, tu marches. Quand il faut voler, tu voles. On dit non. Les canards marchent avec les canards. Les aigles avec les aigles. Les coqs avec les coqs. Voilà. Les souris sont ensemble. Et les margouillards, ils marchent ensemble. Mais toi, avec les margouillards, tu es là. Avec les aigles, tu es là. Avec les coqs, tu es là. Finalement, on dit, mais finalement, toi, tu es même fou. Mais finalement, il faut nous dire. Donc, quand le Seigneur te regarde comme ça, il ne sait pas dans quel cas il doit te mettre. Et donc, si on demande un sacrifice au niveau des corps, les corps vont dire, ah, lui-là, il ne nous ressemble pas. Tantôt, il ressemble à Magouya et tout. Prenez le sacrifice parce qu'il n'est pas de tout. Pourquoi il comme l'âme? Quand tu vas chez les Magouya, on voit que la queue est comme la queue du corps. Vous ne voyez pas la queue du corps. Il n'est pas des nôtres. On peut le bouffer. On le bouffe. Tu dis Jésus. Jésus ne viendra pas. Jésus ne viendra pas. Jésus. Jésus dit laisse-moi. Je m'en vais là-bas du côté de la même d'Alaba. J'ai mes deux enfants que les ambassadeurs dérangent là-bas. Il gagne à l'homme. On donne dans le chat de Dieu. Allez, on descend la famille. Mais Jésus, Jésus dit, ah, je ne coûte même pas l'homme là. Comment tu t'as créé pour ça? Il vient d'Israël, c'est toi. Ça va pas moi. Tu es à quelle position? Dans mon village, il y a. Je parle, mon village. Alors, chez nous, il y a une débit générale. Bébé général, ça dit que tous les fils passent du village de l'église.
ils se rencontrent. Il y a maintenant la famille de soeurs qu'on appelle Bingo. Ils se rencontrent. Ils sont contents. Et après maintenant, il y a la famille Lengi. Donc c'est tous les petits enfants, toutes les femmes, on se raconte. Et après maintenant, il y a les enfants de ma mère. Et après maintenant, moi-même, j'ai ma famille. Et après vous tous encore là, on est là. Frère, ça va, oui. En somme. Qui a trouvé Jean-Claude là-bas? La femme? C'est Jean-Claude dedans. Allons-y. Je vais te mettre. Monsieur m'a dit, donne-moi quoi? Donne-moi quoi? Et elle ose dire au Seigneur, c'est le Seigneur. Le plus un enfant. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Prenons, qui a trouvé? Qui a trouvé? Qui a trouvé? Jean. Vas-y, 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 vas-y. Jean 4, à partir du verset 4. Or, il lui fallait passer par la Samarie. Il arriva dans une ville de la Samarie nommée Sichar. Près de la terre que Jacob avait donnée à Joseph, son fils. Or, là se trouvait la source de Jacob. Yeshua donc, fatigué du voyage, s'était ainsi assis sur la source. C'était environ la sixième heure. Et une femme samaritaine vient pour puiser de l'eau. Yeshua lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Verset 9. Mais cette femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Car les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. Yeshua lui répondit et lui dit, si tu connaissais le don d'Elohim, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné l'eau de vie, l'eau vive. Arrête-toi d'abord. Yeshua est en train de dire qu'il est le puits. Donc mon frère, au lieu d'arrêter le succès, pendant la présence du Seigneur, tu n'as pas de risque d'accident, tu n'as pas de risque de bâle. La femme ne va pas te demander tu es où, tu rentres quand, tu es avec qui, tu parles à qui, tu es comment t'en vas, tu as mangé quoi. Toutes ces questions-là, tu seras seulement dans ta chambre. Tu quittes le salon, tu vas où? Dans la chambre. Zéro frère. Alléluia. Il n'y a pas de fatigue. Première réponse. Amen. Amen. Maintenant, regarde la promesse que le Seigneur donne dans le livre de Jacques. Jean chapitre 8. Chapitre 8. Où le Seigneur dit, celui qui croit en moi, les sources d'eau vive jailliront sur son sein. Jean 7, à partir du verset 38. Tu peux venir un peu devant. À partir du verset 37. Donc reste là-bas, mais il y a un peu.
Ok, à partir du Jean 7, à partir du verset 37. Mais le dernier jour, le grand jour de la fête, Yeshua se tenait debout et il cria disant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon ce que l'Écriture a dit, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Verset 39. Or, il dit cela de l'Esprit qui... Il dit cela de l'Esprit qui que doivent recevoir ceux qui croient en lui. Car le Saint-Esprit n'était pas encore... Parce que Yeshua n'était pas encore glorifié. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux te ressourcer, va puiser dans la présence du Saint-Esprit. Ça va en allant caresser les statues et les tombes, en marchant pieds nus dans le village que l'onction va quitter sur toi, comme je vois souvent les célestes qui marchent, qui disent qu'ils sont en harmonie avec la nature. Moi, je marche pieds nus parce que les bambous la chauffe. Sans la chaleur. Donc, se ressourcer, ce n'est pas une raison banale. Amen. 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 La fête des terrains au village. Abraham n'a pas enterré sa femme dans son village. Mais là où il séjournait, Sarah est morte là. Et il a acheté quoi? Il y a des femmes qui disent ici des personnes. Moi, si je meurs, amenez-moi où? Parfois, il parle de l'intérêt, il y a des accidents, il y a comme tout le monde. C'est comme les musulmans qui vont à la mer. Quand ils vont là-bas, il y a des incendies, il y a des morts. Je dis, mais quelle est cette éloïne là? On vient l'adorer, il y a des gens qui viennent. Les Babylétains, excusez-moi, ce sont mes frères. Vous ne vendez pas les terrains aux étrangers. Mais ici à Douala, comme les Douanes ne réfléchissent pas, ils n'ont plus vendu. Petit pays se moque d'eux. Et vous passez votre temps à manger des poissons braisés et à danser le Makossa. Vous êtes devenu locataire chez vous. L'ouest, il va tourner, il va atterrir où? Au village. Dis attaché. Attaché. Mon frère, on est comment? Mais l'attachement l'a conduit à quoi? À la mort. Parce que c'est une maladie. C'est une maladie. Une maladie. Prenons l'exemple de Lazare. Quand le soleil va atterrir dans la vie de Lazare, il va dire, déliez-le et laissez-le faire quoi? Dites-moi, frère, la maison que tu as construite au village là-bas, tu as location ici, mais tu as une maison au village, qui n'est pas habité. C'est pour qui? Je vous pose, je ne vise personne. Mais c'est la parole. Tu as construit dans la concession familiale. Tu ne veux pas aller négocier un terrain à Bafoussa. Tu es là où il y a les grandes villes. D'abord, même personne ne va le faire. Tu vas l'acheter où? Tu es là. Je nous pose donc la question. Quand on est attaché comme ça là, on prend le chemin du village ou du ciel? Toi-même, tu dois parler, toi-même là maintenant, toi-même, tu sais. Tu pars où? Au village ou au ciel? Vous connaissez l'histoire de la femme de l'autre, non? Hein? Quand on a dit son, ça fait que chérie à l'homme, il y avait là, ça ne sent plus bon. Il a dit à son mari, Yoma, j'ai laissé. Derrière là-bas, tous les bijoux, comme les femmes aiment le maquillage, le yaga. J'ai laissé derrière là-bas tous mes talons. Et quand même, on marchait tellement vite que même le petit sac que j'ai pris,
vraiment dans ma dernière montre que tu m'as acheté là, ça pèse, je suis obligé de lâcher ça. Donc en laissant le sac, je le dis, comme ça, et voilà. Recevons la délivrance du Seigneur. Amen. Et dit la parole. Église, nous marchons pour aller où? Non, on ne marche pas. Parce que nos agissements là, on ne fait pas. On n'agit pas comme les vrais chrétiens. Il vous dit la vérité. On n'agit pas comme. Franchement, est-ce qu'on agit réellement comme les vrais chrétiens? Non. Es-tu sûr que tu aimes ton frère qui est assis à côté de toi dans la foi? Je ne dis pas plus. Mais de la même manière que ton membre de la famille. Je ne dis pas plus. Je ne dis pas. Parfois, quand on lit la Bible, le Seigneur nous enseigne, on ne capte pas. Vous voulez que je vous prenne un exemple? Amen. Vous pouvez prendre un exemple? Amen. Tu es d'accord, non? Amen. Je vais prendre un exemple. Je vais chercher. David et Jonathan. Qu'est-ce qu'il a dit? L'âme de Jonathan s'attache à toi. Et David l'aimait comme quoi? Et Jonathan l'aimait comme quoi? Comme son âme. Non, attends. On parle trop facilement. C'est trop léger. C'est pas comme ça. On va te guérir. Frère, soyons sérieux. Un seul exemple. Qui était Jonathan? Plus de. Et qui était Samuel? Il était roi d'Israël, n'est-ce pas? Et Jonathan était quel fils? Le premier. Et c'est lui qui devait succéder à qui? À son père. Vrai ou pas? Vrai ou pas? Voilà donc maintenant. Il fait la rencontre de David. Fils de Jessé, avec son grand-père, c'était Jessé. Et maintenant. Et je sais que c'est toi que le Seigneur a choisi pour venir sur terre. Ils sont à deux. Il regarde ce jeune homme. Il regarde lui-même. Il voit la royauté. Il dit, faisons alliance. Mais je sais que c'est toi que le Seigneur a choisi. De régner sur qui? Il n'a pas dit à ma place. Il savait qu'en disant cela, ça survit en lui-même. En gros, il donnait le droit de vie et de mort à qui? À David. Parce que les rois avaient le droit de vie et de mort. Toi, tu peux faire ça. Non, attends. Tu peux faire ça. Prendre l'héritage de ton père et donner à un nom. C'est toi que le Seigneur a dit que c'est toi. Tu vas gérer ça mieux que moi. Qui peut faire ça? Même moi qui vous parle, je ne peux pas. Alléluia! Amen. Il a pris. Il lui a donné quoi? Il a donné son manteau. C'est ça, donner le manteau. Vous savez pourquoi le Seigneur a permis que Jonathan meure? C'était le seul moyen de nous sauver. C'est le seul moyen. Parce que Jonathan, s'il restait en vie, cela devait amener un schisme en Israël. Parce qu'il y a ceux qui étaient fidèles à la maison de vie de son père. Et au final, vu que c'est le Seigneur qui avait choisi David, il va avoir guerre entre les deux. Et Amoura, il devait aller à l'enfer. Et le Seigneur, pour le sauver, là, a permis que les Philistins le tuent, le récupèrent.
sommes ici, on ne s'aime pas. Si vous vous aimez, si nous nous aimons, c'est que même nos petits moyens, là, les problèmes que les uns et les autres ont, on va trouver une solution. Parce qu'on dit que l'union fait quoi? Et la Bible dit à la vie, nous sommes le pot de feu, le pot de bois, le feu, c'est parfait. C'est ça. Regardons maintenant. Comme maintenant, on sait que la nouveauté, c'est les terres. Même les bassins qui sont en Gombafoumi là-bas, le long de là-bas, ils courent maintenant pour aller vendre les terrains. Tu cours, tu vas mourir là-bas parce que tu suis le terrain. On te connaît là-bas. On te connaît, dis-moi, on te connaît là-bas. Parce que tu as entendu que tu commences bizarrement à commencer à chercher la filiation. Oh, mon grand-père était là-bas, tu me connais là-bas. Bon, je viens prendre ce qui m'appartient. Ce qui t'appartient. La Bible dit que nous sommes hérités et cohérités avec qui? Mais donc toi maintenant, ton héritage, ce n'est plus le ciel, mais c'est que les gens discutent là-bas, toi aussi tu vas discuter là-bas. On va te bouffer là-bas cadeau. Tu vas venir ici, oh j'ai les maux de tête, oh non, c'est le diabète. Non, c'est pas le diabète, c'est je ne sais pas moi, c'est quoi, c'est le pan. Non, c'est pas le pan, non, c'est le corona, c'est le sida, on va trouver tout. Après une heure. Oh mais ils craignaient Dieu. Mais comment c'est possible? Oui, parce que tu n'étais pas à ton poste. Laisse les morts enterrer l'air. Mais toi, tu fais quoi? Suis-moi. J'arrive. Et non, le livre de 1 Pierre. On a parlé de la dot ici là. Oh, moi je paye la dot. Oh, moi, oh, oh, c'est la Bible. Moi je vais payer la dot. Et nos parents ont toujours fait ça. Vraiment, c'est écrit où? C'est écrit où? Mais, c'est vrai. Oh, non, moi, il y a même des chrétiens qui disent, je ne peux pas épouser ma femme sans payer la dot. Mais si toi tu payes la dot d'une fois, mais toi aussi, il faut que tes parents aussi payent la dot pour ton mari. Parce que de la même manière, ils tombent, ils ont aussi, les autres parents ont aussi ton mari. Donc, si il faut qu'on parle de prix, si vous voulez 200 000, toi aussi tu me donnes 200 000. Comme dit le petit, on est petit. Et c'est toujours le cas, on dit on est 11 devant 11. Alléluia. Amen. Quand le message, on a une illumination par rapport à la chose, il y a une problème. Là, votre évangile a vraiment. Là, vous avez parlé, mais là, cela, c'est le terminateur. Continuez non pas. La femme est devenue une marchandise qu'on taxe le prix. C'est un tas de tomates là au marché de 14 qu'on dit c'est 200, tu dis non, j'ai 150. Oh non! Elle n'a pas plus simple. C'est une imprimière diplômée d'État. Donc, ça veut dire que. D'abord, il y a les parents qui disent que. Toi là, ton mari. D'abord, ça, j'ai remis ça au Seigneur, je ne parle même pas. Ton mari qui va te présenter ici là. Si ce n'est pas un cataclysme, mais c'est le dernier qui a tiré là, je ne bouge pas. Alléluia. Amen. Et bien, on va la langue du dimanche. La maman, elle n'est pas la langue, elle reçoit les songes, les visions, comme pas possible. Elle prophétise parce que quand elle voit sa fille, elle dit Seigneur, la galère c'est terminée. Celle-là, c'est le million. Et elle a les visions de joie charnelle. Elle parle la langue. Quand elle voit sa fille lui procure l'inspiration. Et bien, chapitre 1. On va prendre à partir du verset 14 jusqu'au verset 18.
tu connais cette histoire. Hébreux chapitre 1. Partie du verset 14 au verset 19. Celui qui a trouvé. Hébreux 1, à partir du verset 14. Ceux qui ont sommeil, levez-vous. Comme des enfants d'obéissance, ne vous conformant pas aux convoitises d'autrefois dans votre ignorance, mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi de même soyez saints dans toute conduite. Car il est écrit, soyez saints parce que moi je suis saint. Verset 17. Et si vous invoquez le Père qui juge de façon impartiale selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Le temps de quoi? Pèlerinage, donc voyage. On est en voyage. Continue. Verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre que vos ancêtres vous avaient transmis. Ah! Alléluia! Amen. Continue, après je vais le bénir. Verset 19. Mais pas le sang précieux du machia. Pas le quoi? Le sang précieux du machia. Pas le quoi? Le sang précieux du machia. Oui. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné et en effet avant la fondation du monde et manifesté dans les derniers temps à cause de vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère, on dit. Quand je dis on, je veux dire le Seigneur dit, ce n'est pas par l'or, ce n'est pas par l'argent, ce n'est pas par des traditions rudimentaires qui n'ont aucune valeur que tu as été racheté. Mais c'est par le sang précieux, ce sang qui n'a pas de prix, comme un agneau sans tache, qui a été préparé avant même que tu ne viennes dans ce monde, avant même que tes parents, tes ancêtres, tes aïeux ne soient là, que l'agneau d'Élohim avait déjà été immolé pour toi. Et le livre d'Éphésiens chapitre 1 dit, nous sommes son ouvrage, ayant été prédestiné à pratiquer les œuvres dont Élohim a préparé d'avance pour nous. Voilà ton identité. Tu n'es pas là à aller chercher au village. Et même si j'écris aujourd'hui, là, je mets les gens vont faire le caillou. Parce que vous n'êtes pas du Seigneur. Je vous le dis. Celui qui est du Seigneur, la Bible dit, mes bébés entendent ma voix et font quoi? Voilà. Donc si tu écoutes la parole ce matin et que demain dans la suite des temps, tu reprends ta voiture pour aller revendiquer les temps au village, tu n'as rien compris. Tu fais bien ton voyage, tu fais content. Va entrer dans le MTPC, deviens député, tu vas bien manger. Tu deviens maire de ton village, tu as tout gagné. Mais si tu es là, ici tu n'iras pas au ciel. Au village, on ne va pas te dire, on dit que tu ne connais pas, tu as envie, il faut que tu choisisses. Sinon, tu perds ton temps. L'évangile amène la séparation. Vous voulez quelle parole? Une parole qui te caresse. Ah ma soeur, vraiment tu es belle. Ça va le travail? Oui. On parle de tout le sens de la parole. Ça va les enfants? Oui. Ça va le chien? Oui. Le chat? Et la nouvelle maison? Comment? Oh non, vous partez pour parler des projets, du travail, la santé et tout. Mais tu ne dis jamais. Qui dit la parole? Frère, tu sais que là, ce que tu as fait là vraiment, c'est pas bien par rapport à la parole. Non, comment? Si tu dis au frère comme ça, tu sais qu'après il va demander le chien ou le voisin, après avoir élevé le frère, il va te donner 20 000. Tu as posé au moins pendant une semaine, tu es tranquille. Tu as mangé ton gari. Nous avons été prédestinés pour pratiquer les œuvres de notre Père. Amen. Alléluia. Ne le dis pas, mais. Il y a même une chose. Pratiquer les œuvres du Père. Mais je sais un homme, je connais un homme dans la Bible, il dit, je n'ai jamais vu un juste manquer du pain. Ta
ni abandonné dans la détresse. Car le Seigneur sait toujours secourir ceux qui se confient. Amen. Mais nous, on est tellement mélangés, on ne sait même pas quelle couleur de caleçon on porte. Jean chapitre 3. 1 Jean 3. À partir du premier verset, on va lire jusqu'au verset. Qui a trouvé? 1 Jean 3. Oui. À partir du verset 4. Non, à partir du premier verset. À partir du premier verset. Voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants d'Élohim. Ah. Raison pour laquelle le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne l'a pas connu. Mmh. Verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants d'Élohim. Et ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Or, nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Verset 3. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. La Bible dit, c'est pas moi, mais la Bible que tu as et que j'ai. Donc je me présente à la troisième personne. J'ai dit qu'il a dit. C'est pas moi. Moi aussi je me cache derrière lui. Mais oui. Et ici il y a le combat là maintenant. Quels sont les sketchs qu'on dit? Un kamikaze est venu avec l'arme dans une assemblée. Il a dit, pique quoi en Dieu ici là? On dit que même le pasteur qui était là, il est allé s'asseoir directement. Il a levé la robe, il a déposé par terre. Mais les enfants là que vous voyez, ils voient tout. Hein. Il allait voir le monsieur. D'abord, on ne connaît pas qu'est-ce que c'est là. Il va voir le monsieur. Il dit, monsieur, je crois que le monsieur qui est assis là pour un Dieu, le pasteur a dit qui, moi? Je vous ai déjà dit un jour aussi que je crois en Dieu. Donc moi-même, j'ai dit que la Bible. Derrière le Seigneur, lui-même il est devant. Nous sommes derrière. Le lion, nous sommes les lions de la terre. La Bible dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants d'Élohim. Il dit, nous ne serons, ce que nous serons n'est pas encore quoi manifester. Pourquoi tu cours derrière l'État? Si on t'a dit c'est ta part et que les autres veulent te combattre, que dit la parole? Si quelqu'un te demande ton manteau, donne-lui pas aussi. Car il dit ne résiste pas à celui qui veut emprunter de toi. Si tu demandes 20 000, fais-en combien? 10 000. Il dit ne te retiens pas de celui qui veut quoi? Emprunter de toi. Voilà pourquoi. Parce que ce que nous devons être n'est pas encore manifesté. Amen. J'arrive. Donc on est citoyen de quoi? On est où? Et pour le moment, on est sur là. Donc c'est important d'aller là-bas faire les réunions de famille. Que les enfants d'une même famille se réunissent pour prendre les nouvelles de leur père, c'est normal. Papa est là, il a besoin d'une voiture, on a les moyens, on ne peut pas laisser notre papa comme ça. On ne peut pas laisser la maison, même papa il est là, on peut pas laisser la maison du papa au village, c'est pas possible. L'argent qu'on gagne, ça sert à quoi? Allons construire, donc ça c'est légitime, c'est public. Mais que toi-même, dis bon, comme mon père a construit au village, moi-même je vais construire où?
Il y a un problème. Si au moins nos villages étaient des villages pacifiques. Je viens de Rome. Voilà mon épouse avec ma femme. Je connais le village de ma femme. On n'a pas construit notre maison dans son village. La maison même que son père et sa mère ont construit l'ont construit. En Europe, on achète des maisons partout. Quelqu'un vient du nord, il vient acheter une maison là. Quelqu'un vient, je ne sais pas, même les Anglais quittent. Il vient acheter une maison en Bouddha. Vous les Bouddhas, vous pouvez vendre la maison à un Anglais. Le chef du village a fait une réunion d'urgence. Mais en France, les maisons se vendent comme des petits pains. On est ancré dedans. On s'entoure des tombes. Il y a le Dieu qui sait, quand il fait trop chaud, ils ont mis la tombe, ils ont mis une voiture. Hein, on vient, on s'assoit dessus. D'autres enterrent les maisons dans les maisons. Dans les champs, vous êtes là, vous faites ça. Tu enterres quelqu'un et tu dors en haut. Chrétien. Et tu dis, j'ai eu une vision. Quelle vision? Une vision qui vient d'en haut ou d'en bas? Vous êtes là dans les concessions. Vous avez des cadavres enterrés. Il y a même des chrétiens qui disent, si je meurs, enterrez-moi dans ma cour. Comme ça, je serai plus proche de vous. Tu es chrétien, prévois ta conversion. Alléluia. Amen. Frère, Abraham, lorsque Sarah est morte, elle a enterré où? Là où elle est morte. Aujourd'hui, dis à ton voisin aujourd'hui. Vous voulez que je parle? Amen. Frère, je vais parler, je ne veux pas parler. Sinon, j'aurai le compte à rendre. Amen. Vous voulez amener la vie là où il y a la mort? Le deuil est devenu un business. Où on amène des décorations. Toi qui fais ce travail de décorer les salles de mort, tu peux amener la joie là où le Seigneur a dit que c'est la tristesse, mais tu combats la parole. La mort doit nous interpeller à nous poser des questions. Mais si vous amenez la distraction là où il faut s'interroger par rapport au sort de celui qui est couché pour que tu puisses être enseigné, tu combats la parole. Vous faites cours de retenue. Il y a le poulet. Le maquereau crié. Le café. Ah oui, il faut le café. Et comme maintenant Sakel fait du bon pain, on doit commander du pain d'avance chez Sakel. Viande hachée. Et on mange. Et on se saoule. On ne s'interroge pas de l'issue de notre vie. Vous voulez que je prêche? Amen. Et quand une grand-mère est morte à 99 ans, on dit aux petits-enfants qu'il faut danser, il a vécu longtemps. Quel longtemps, frère? On dit que Adam a vécu combien? 960 ans. Et Mathusalem a vécu combien? 970 ans. Adam a vécu 940 ans. Mathusalem a vécu combien? 970 ans. Et toi, ta grand-mère meurt à 99 ans, tu commences à danser. On met les petits enfants en tenue. Il faut danser si celui qui est mort là était dans le Seigneur. Parce que la Bible dit, errez les morts qui sont en quoi? Parce que leurs œuvres l'aident. Voilà. Mais toi, tu sais très bien que ta grand-mère était sorcière. Tu danses pourquoi? Pour pleurer. Tu sais qu'on l'a surnommé dans le village Terminator.
Et elle est couchée. On est dansé. Elle a tellement tué ses enfants, ses petits-enfants, que Dieu le sait rescapé. On te met la devant, danse devant le Seigneur. Toi-même, tu sais que ma grand-mère, si était méchante, tu danses parce qu'elle est partie, parce que tu ne voudras pas, ou tu danses parce qu'elle a vécu longtemps. Il faut que tu m'expliques. Alléluia. Arrêtons de discuter les choses de la terre. Mais bon, vous allez me dire, mais toi, on va faire comment? Oui, c'est vrai, on va faire comment? Quand tu n'as pas d'assurance, on va faire comment? Ouais, si tu n'es pas garanti d'une place au ciel, c'est normal que tu vas faire comment? Et donc, tu sais, vous savez, Paul dit, hein, le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes quoi? Je te pose donc la question gentiment. À deux là, on est à deux. Est-ce que le Saint-Esprit atteste que tu appartiens à Elohim? Tu es sûr que tu lui appartiens? Est-ce que le Saint-Esprit t'a dit que vraiment là, toi et moi, on est un? Parce que le Seigneur dit que moi et le Père, nous sommes. Voilà. Et dans le livre de Jean, chapitre 17, il dit quoi? Que moi je sois toi et toi, moi et toi. Voilà, moi je sois en eux et toi, hein? Pour que nous faisons quoi? Tous combien? Un. C'est écrit, non? Alors, est-ce que toi et le Seigneur vous êtes un? En gros, est-ce que son esprit est avec toi? Question, comme disent les Ivoiriens. Parce que si tu es là, on dit à gauche, tu vas à gauche. On dit à droite, tu vas à droite. On dit lever la main, tu lèves la main. Lever le pied, tu lèves le pied. Tu n'as pas de position. Et Jacques dit que les gens comme ça ne pensent même pas obtenir quelque chose du Seigneur. C'est tout ou pas? Jacques parle de ça, non? Hein? Il dit quand tu demandes que. Maman, tu veux me faire une course par qui donc? Quand tu demandes quelque chose au Seigneur, tu dois être suivi. Ça rien à demander, demain tu vas boire le matin. On dit que Dieu ne faut pas boire, c'est pas bon. Il dit c'est écrit où? Frère, pour un verre de 33 qu'on fait ici à nos côtés, tu vas perdre le ciel. Avec l'eau sale du bourri, il y a des choses où vous ne pouvez pas débattre. Alléluia. Prenons le livre encore de Philippiens. Prenons Philippiens. On va finir. On va finir. Philippiens. Chapitre 3. À partir du verset 20. Philippiens 3, à partir du verset 20. Car notre communauté de citoyens dans les cieux, d'où nous attendons. Non, répète encore. Philippiens chapitre 3. Ok, Philippiens chapitre 3, à partir du verset 20. Oui. Car notre communauté de citoyens est dans les cieux. Notre communauté de citoyens est où? Est-ce qu'il a oublié? D'où nous attendons aussi assidûment et patiemment le Sauveur, le Seigneur Yeshua HaMashiach. Frère! Notre communauté qui a 8 secondes. Il vient quoi, 8 secondes. Oui, oui. Philippiens 3, partie du verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Ah! D'où... Attends, ma soeur, on va aller tout seul. Nous formons une communauté. Amen. Amen. Et on dit que la communauté que nous formons, la cité est où? C'est au village? Non. C'est à nos côtés? Non. C'est à Pesacador? Non. C'est où? Dans les cieux. Parce que c'est devenu une honte que tu n'as pas de maison.
tu n'as pas de maison, on se moque de toi. Ça veut dire que ton espérance n'est pas au ciel. Est-ce que Paul avait une maison? Il a dit, j'ai combattu quoi? Le combat de quoi? Il a dit que j'ai combattu le bon combat. J'ai laissé les immeubles, j'ai laissé des sociétés, j'ai laissé 50 femmes, j'ai laissé des écoles, des hôpitaux. Il a combattu le combat de quoi? De la foi. Et il dit, j'ai achevé quoi? La course. Et il dit quoi? Désormais. Qu'est-ce matin? Maïka. La couronne. Mais toi, ton combat, c'est d'avoir les loyers pour les faire voir. Combat pour avoir une cité où tu mets le locataire et pour les faire voir, tu es là comme un acte. Comment vous dans nos côtés qui régule la circulation avant de sortir ici, comme mon bailleur là. Il a changé de cadenas, il faut qu'on donne 2000 maintenant pour pouvoir avoir une vente. Ouais, non, tu ne sors pas. Si tu ne me payes pas, je n'ouvre pas le portail à ta voiture, tu ne sors pas ce matin. Donne-moi mon argent. Toi, tes efforts. C'est pour avoir ton meublé. Vrai ou faux? Mais les gens ici, ils ont vu moi mon objectif cette année. Il faut que avant que j'ai 40 ans, il faut que j'ai au moins un immeuble R plus 5. Vous êtes là, vous faites cette prière ici. Amen ou pas? Amen. Vous êtes là. Tu ne m'as dit, Seigneur, avant 40 ans, Seigneur, je veux que tu me dises pour que je ressuscite mon. Tu ne fais pas comme ça. Mais toi, tu veux voir les immeubles. Seigneur, comme il y a un homme politique en France qui a dit, si tu as 50 ans et que tu n'as pas porté une Rolex, tu as raté ta vie. Parce que le Rolex, c'est la montre la plus chère. Donc, si tu as 50 ans et tu n'as pas porté cette montre, ne dis pas que tu as gagné ta vie, tu l'as perdu. Et toi aussi, chrétien, comme tu ne connais pas que le Rolex existe, Seigneur, avant mes 40 ans, je veux que quand je descends là, j'ai mon R plus 5. Bon, si c'est trop loin, R plus 3. Comme ça, je suis modeste. Quand tu as déjà ces pensées-là, comment ça fait quoi? C'est la cupidité. Ton objectif n'est plus d'aller au ciel, c'est de faire les économies. Or, Jacques dit, si toi qui as donné, si c'est pour ton frère, et qu'il vient chez toi, si tu as dit moi, dans 40 ans, donc tu as 35 ans, tu es dans 5 ans, il faut être plus soin. Vraiment, le temps passe vite. Ton frère vient te dire là, vraiment là où tu vois les enfants sont malades, ils n'ont rien à manger. Tu regardes les 20 000 là, tu dis non, mais les 20 000 là, c'est pour que tu aies ton fils. J'ai déjà 80 000, c'est 100 000 francs toutes les semaines. Et lui dit non, frère, il faut venir dans 2 semaines. Le week-end, tu vas à ton fils. Tu continues tes 100 000, tu es d'accord, tu es content. Le lendemain, on t'appelle, oh,
Daniel, oui, mon enfant est mort. Tu vas, tu commandes les serpents parce que tu as les connaissances dans la cantine. Tu as un bénéficier là-bas, il peut faire la tour, c'est fait, frère. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ma soeur continue. Comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Continue, ma soeur, continue. Il fera quoi? Il transformera le corps de notre humiliation. Ah! Il y a transformation de quoi? De notre corps. Qui a été quoi? Humilié. Qui a été quoi? Qui est prêt à être humilié ici? Il n'y a pas beaucoup de toi, hein? Stéphanos, mon frère, viens pas le micro, je. C'est bien, ma soeur. Frère Flavien, tu es venu faire quoi ici? On t'a bouffé. Frère, tu es sûr? Tu peux encore rentrer, il n'est pas trop tard. Et il me dit ça avec amour, hein. Il m'aime. Hein. Attention, il m'aime, il ne se moque pas de moi. J'espère que tu as bien réfléchi. Hein. Tu as bien réfléchi. Parce que tu as le courant qui se coupe. Comme notre maman témoigne, le courant, comme hier, l'eau est coupée, tu es en pleine douche, l'eau se coupe. Flavien, tu as bien réfléchi. Tes enfants se lèvent à 5h40 pour aller à l'école. Tu as bien réfléchi, frère. Parce que les enfants, ces petits bouts de chou, il ne faut pas les traumatiser. Flavien, tu es responsable de ta famille, Flavien. Tu sais que ta femme peut rentrer comme ça, tu laisses celle ici. Alléluia. Amen. Mais on dirait que tu n'as pas réfléchi. Pourquoi tu as l'occasion? Tu n'as pas eu le temps d'abord de construire ta maison avant de venir ici. Ah, ça c'est des erreurs que moi je ne commencerai pas. Hein. Il a eu tout. Il dit, Seigneur, vois tout ça. Si vraiment, Jérémie avait dit, es-tu pour moi une source quoi? Trompeuse. Es-tu pour moi une citelle crevassée? Seigneur, vois leur menace. Moi j'ai tout quitté. Il y a un chanteur congolais qui disait que maman à Paris, toutes les rues sont climatisées. La clim, c'est la neige. Quand la neige tombe, tout est blanc. Tu es dans ta doudou, tu dors dans la couette, tu bois un petit café. Tu dis Jésus, Jésus est bon. Alléluia. Frère, ça va? Oui, ça va. Ici, ça va, comme nous. Madame, ça va? Amen, madame, ça va. Elle est où là? Attends, je te montre un peu si tu es en train de faire la belle vidéo. Ça va, mon frère? Oui, ça va. Ah, mon frère, qu'est-ce que ta femme va te compliquer ce midi? Oh, mais écoute, on va manger quelques sautés de terre, mais avec. Mais ici, là, on va faire le marché, les choses sont même le sol. Hein. La poussière, la boue, les moustiques. La chaleur, l'eau n'est pas potable. La guerre, est-ce que tu as dû réfléchir? Mais je sais que je suis citoyen des cieux. Je sais que je suis citoyen des cieux. Moi, je ne suis pas dans les réunions de mon village.
Même mes cousines directes sont surprises de voir que je suis là. Et vous, mes frères, vous savez que je devrais venir. Vrai ou faux? Si un membre de ma famille a un problème que je peux aider, je vais aider. Mais je ne peux plus marcher avec eux parce que c'est une affinité de famille, de filiation. C'est fini ça. Le Seigneur a dit quoi? Dans le livre de Marc. Mais Jésus, voilà ton frère et ta mère qui te cherchent, tes frères. Il a regardé, il a dit quoi? Voici qui? Il a dit quoi? Voici mes frères, voici mon père, et voici qui? C'est écrit ou pas? Tu veux encore courir au village demain? Tu veux que j'enfonce encore où tu es fatigué? Si tu es fatigué, on va arrêter là. Tu vas aller gérer ça là-bas toi-même. Il faut la séparation! Frère, je veux vous dire une chose. Tu veux que le Seigneur se manifeste dans ta vie? Il y a trop de liens. Tu es trop dispersé. Le Seigneur veut que qu'il soit la prééminence. Voilà pourquoi il dit à Israël, vous prenez l'aide à qui? À lui. On n'a pas dit qu'il amène ton premier salaire pour digne. Ce n'est pas ça. Ton premier salaire honore d'abord ton père. Jésus n'a pas besoin de ton argent. Il a déjà donné ta maman et ton père qui t'ont souffert pour t'amener à l'école. Dis papa, prends. Si ton papa dit, achète-moi une bouteille de whisky, dis-moi, oh papa, tu ne dois pas moi le. Achète-lui ça. C'est ton point avec Jésus. C'est pas ton. Tu n'es pas le père ni ton père. Laisse-le gérer ses comptes avec Jésus. Amen, amen. Toi, fais ta part. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses. Hein. Jacob avait dit à Esaü quoi? Va me faire quoi? On me préparait le mettre quoi? Et j'ai. Et bien, cuisine, et après je te ferai quoi? Donc voilà. Si ton papa dit, amène-moi la bouteille de vin rouge au rhum de plantation à tes côtés, tu vas lui donner ça. C'est son problème là-bas. C'est ton père ou pas? Donc c'est toi qui vas lui apprendre la vie. Non. Donc de tout son âge, il n'a jamais entendu parler de Jésus à travers toi. Dis papa avant de boire, bénis-moi si tu veux le bénir. Mais pas après la boisson. Parce que quand tu bois, tu es soumis béni là, cette bénédiction ne vient pas du soleil. Et avant de boire, si tu veux le bénir, finissons d'abord maintenant. Tu vas venir gérer ton rhum après. Ok mon fils. Tu vas prendre la bouteille, tu vas la caresser, dis merci. Viens mon fils. Que le Jésus que tu crois soit avec toi. Il t'ouvre les portes. Il dit que le Jésus que tu crois. Tu n'as pas dit mon Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je parle à mes parents. Je parle à mes frères. Je parle à mes soeurs. À mes petits frères et à mes petites soeurs. Le Seigneur nous a choisis pour porter les fautes. David avait dit à Milka que le Seigneur Adonai a rejeté ton père et il m'a choisi pour perdre son peuple. Ne sois pas jaloux. Donc, je nous invite à changer nos vies. Mettons les priorités dans nos vies. Ce n'est pas une fin en soi ou un absolu. Notre absolu, c'est le ciel. Lisez Hébreux chapitre 11. Regardez les héros de la foi. On dit, eux dont la terre n'était pas digne. Ils se cachaient où? Dans les cavernes, dans les gouttes. Ils attendaient quoi? Une cité dont Elohim était quoi? L'architecte Elo. Il disait que le monde n'était pas digne de le recevoir. Parce que si ce qu'ils attendaient était de ce monde, ils ne devaient pas être traités comme ça. Mais la Bible dit qu'ils ont vu ces choses en vision. Ils les ont salués quoi? De loin. Pour
qu'ils ne parviennent pas quoi avant nous à la résurrection. Voilà pourquoi les promesses qui sont dans la Bible sont effectives. C'est des paroles effectives. Je te mets à défi. Toi, mon frère, ma soeur, ma mère et mon père, qui est là ce matin, je te mets à défi. Si cette parole qui sort du Seigneur n'est pas véritable, demande-lui. Dis, Seigneur, je renonce à construire une maison et que mes économies que j'ai, je les donne pour les veuves, pour les orphelins, pour les sans-abri, pour les gens qui sont malades. Montre-moi ma maison, mon Seigneur. Parce qu'il ne faut pas que je perde ma maison ici. Ou si j'arrive d'abord, dit que tu me dis que je ne me connais pas. Tu vas voir. Amen. Tu vas voir. Soyez bénis. Que le Seigneur qui nous a appelés à une sainte conversation puisse nous saisir par sa main. Qu'il puisse nous transformer, nous mouler lui-même. Parce que il y a des liens. Il y a des liens. Des liens très forts. Des liens d'âme. D'affinité. Que c'est le Seigneur seul qui aura l'autorité et le pouvoir de nous arracher de là. Nous sommes des trompettes. On sonne la trompette. Et chacun, le Seigneur lui-même, le délivre. Au nom de Yeshua. Amen.